la veille de la Révolution, l'Église catholique présente toutes les apparences d'un grand corps puissant, prospère, utile. Elle est le premier ordre du royaume, gardienne de la religion du peuple et de l'État, assurant plusieurs des tâches qui sont aujourd'hui le service public, comme la charité, notamment sous sa forme hospitalière, l'enseignement, les petites écoles élémentaires et les collèges, l'État civil. Elle est riche, à la tête d'une vaste propriété rurale et urbaine constituée au cours des siècles, et percevant chaque année en nature la dîme sur les récoltes du royaume. À Paris, il y a près de 50 paroisses pour 600 000 habitants, et les couvents occupent le quart de la surface de la ville. Il suffit encore de regarder aujourd'hui nos paysages pour imaginer l'omniprésence de l'Église dans ceux du passé. Ce qui frappe le voyageur étranger dans l'ancienne France, c'est le nombre, l'importance, le caractère central des édifices religieux, des plus somptueux aux plus modestes. Chaque village du royaume est groupé autour de son Église. À la croisée des chemins de campagne ou dans la pierre des maisons, les calvaires, les croix, les statuettes expriment partout le respect de Dieu. Regardons les églises de l'Ouest profond dans ce qui sera bientôt le territoire ravagé de la Vendée. Elles n'expriment encore que la beauté touchante des siècles. Pourtant, derrière cette admirable façade, l'Église catholique de cette fin du XVIIIe siècle est plus vulnérable qu'elle n'en a l'air. Elle a été une des cibles préférées des attaques de la philosophie, à la fois dans son rôle temporel et à travers son message spirituel. C'est qu'elle a été au XVIIe siècle la grande persécutrice des protestants et de cette version interne du protestantisme, le jansénisme des messieurs de Port-Royal. Voici ce qu'en dit Sainte-Beuve. Le vendredi 1er novembre, M. d'Argenson partit pour rendre compte au roi des ordres de Sa Majesté. Il lui dit qu'il avait été surpris de la constance de ses religieuses et surtout de leur parfaite obéissance. Le roi répondit qu'il était content de leur obéissance, mais fâché qu'elles ne fussent pas de sa religion. On a évalué à plus de 3000. Les corps qui, déposés dans la suite des générations, durent être ainsi exhumés inhumainement. Pour quelques-uns que la religion des héritiers vint revendiquer et choisir, combien de hasards et de pêle-mêle. Qu'attendre des hommes grossiers chargés de déterrer confusément ces corps et de les porter en tas dans des tombereaux au cimetière voisin de Saint-Lambert? Ainsi, ce qui avait été la vallée sainte par excellence et la cité des tombeaux n'offrit plus pendant ces mois de novembre et de décembre 1711 que la vue d'un immense charnier livré à la pioche et au quolibet des fossoyeurs. Des chasseurs qui traversèrent alors le vallon ont raconté qu'ils furent obligés d'écarter avec le bout de leurs fusils les chiens acharnés à des lambeaux. Comment s'étonner après cela que la réaction morale causée par ces erreurs suscite des fanatiques, que les gémissements d'abord, les sanglots ensuite, saisissent ceux qui sont trop violemment indignés. Grâce à une incurie sans nom, succédant à de longues suggestions iniques, il y eut sous Louis XIV, à deux pas de Versailles, des actes qui rappellent ceux de 1793. Après la révocation de l'édit de Nantes, en 1685, qui ouvre une époque déplorable de chasse aux protestants,
l'Église catholique est plus que jamais main dans la main avec la monarchie absolue. Si la monarchie ne s'en trouve pas plus religieuse, l'Église, elle, sort probablement du siècle de Louis XIV, plus subordonnée au pouvoir politique, plus sécularisée, embarquée dans des batailles politiques, moins incontestables dans les esprits. Partie intégrante et fondamentale de ce qu'on va bientôt appeler l'Ancien Régime, elle est le premier ordre privilégié du royaume. Bien que Sieyès, dans ses fameux pamphlets de l'hiver 1788-89, n'attaque frontalement que la noblesse, l'Église catholique ne peut manquer d'être victime de l'impopularité de la société aristocratique, dont tout l'épiscopat est un fleuron. Pourtant, la noblesse, et plus encore qu'elle, l'Église, va jouer un rôle très important dans le déclenchement et la première année de la Révolution. C'est que ces batailles de curés de campagne, élus députés du clergé aux états généraux, regardent très vite du côté du tiers état et donnent en juin le signal du mouvement de ralliement à l'assemblée du tiers. Le bas clergé, bientôt suivi par les évêques, joue ainsi un rôle capital dans les premières étapes de la Révolution. David a pris soin, dans la vaste composition du jeu de paume, de mettre au premier plan, un peu sur la gauche, le groupe des trois curés du Poitou qui ont les premiers rallié le tiers-état, et tout au centre, toujours au premier plan, le trio amical formé par le moine chartreux Don Gerle, l'abbé Grégoire et le pasteur protestant Rabot Saint-Étienne, dont l'embrassade fraternelle figure la réconciliation des cultes. Mais la logique de la destruction de la société aristocratique est plus forte que ces images de l'unité retrouvée. L'Église catholique est la grande perdante des réformes de l'été et de l'automne 1789. Elle est atteinte le 4 août comme propriétaire des droits féodaux, mais ces droits doivent lui être rachetés selon la loi commune. Plus onéreuse est l'abolition de la dîme, sans indemnité cette fois, exception à la règle qui est un commencement de spoliation. Mais le pire est à venir 3 mois plus tard, avec la mise à la disposition de la nation des biens du clergé, proposée par un évêque depuis longtemps étranger aux obligations de sa fonction, Talleyrand. Les biens confisqués, qui sont considérables, vont couvrir l'émission d'un papier destiné à payer les créances de l'État, papier qui deviendra en 1790 un véritable papier monnaie à cours forcé. Décision capitale par quoi ? La Révolution se donne à la fois les moyens de sa force et de sa faiblesse. Elle s'attache beaucoup de nouveaux propriétaires, elle se donne le dangereux instrument financier de l'inflation, elle se condamne à soumettre l'Église à la loi ou à en faire son plus redoutable ennemi. Car si l'aristocratie n'a pas eu de fidèles, la religion catholique, elle, en a, va en avoir. La réorganisation de l'Église,
inscrite dans les décisions de 1789, a lieu en 1790. Les vœux perpétuels sont interdits en février, les couvents ouverts à ceux qui veulent partir. De la mi-mai à la mi-juillet, l'Assemblée discute et vote une constitution civile du clergé, par laquelle la Révolution, reprenant à son compte le vieux gallicanisme des rois de France, aligne l'Église sur l'État, transforme les prêtres en fonctionnaires élus sur le modèle de l'administration départementale et communale. Pauvre débat, discussion de politique, de juristes et de procéduriers, entre un catholicisme sans ressort, asservi, presque laïcisé, et une révolution intransigeante sur la souveraineté toute neuve, et pourtant calquée sur l'ancienne. Louis XVI signe pourtant le décret final, conseillé par un épiscopat prudent. Mais le pays catholique commence à s'agiter déjà, et le pape Pie VI, menacé en plus par l'agitation révolutionnaire dans ses possessions d'Avignon, laisse filtrer son refus, qui devient officiel l'année suivante. La Constituante choisit d'avancer. Un décret du 27 novembre 1790 donne 2 mois aux prêtres en exercice pour prêter serment à la Constitution, dont la Constitution civile du clergé fait partie. En janvier 1791, ce serment divise non seulement le clergé, mais la nation. L'affaire politique est devenue une guerre de religion, où se noue le conflit qui sera si long entre la démocratie révolutionnaire et le catholicisme français. Il suffit de comparer la géographie du serment à celle de la pratique religieuse du XXe siècle, mesurée à la communion de Pâques, pour voir à quel point le refus du serment par une bonne moitié des prêtres et presque tous les évêques est un événement matriciel. Tous les dimanches de janvier 1791, ces dimanches où est prévue la cérémonie de prestation du serment, voit commencer en France le grand schisme inséparablement politique et religieux qui a déchiré la France contemporaine. L'Ouest, Vendée en tête, et l'Est, au long d'un arc de département qui unirait l'Alsace au Velay, donne le signal d'une sécession catholique par rapport à la Révolution. Talleyrand a beau prêter la main au sacre des quelques évêques qui acceptent le serment, comme Gobel dans le siège de Paris. Le conflit est redoublé par la condamnation officielle de la Constitution civile par le pape le 10 mars. L'ensemble de l'Église de France est mise en demeure de choisir entre Rome et Paris, universalité de l'Église et citoyenneté, conviction intérieure et autorité de l'État. Et derrière les prêtres, les millions de fidèles de ce pays catholique comprennent et épousent ce dilemme qui fait de la Révolution une guerre de religion. Un an après la fête de la Fédération et la célébration de l'unité nationale autour des principes de 1789, la Révolution française fait paraître une fracture religieuse qui donne ses premières troupes à ses adversaires. Louis XVI aussi raidit la résistance. Quand il décide la funeste expédition de Varennes, au printemps 1791, ce Bourbon attaché à la foi traditionnelle voit après coup dans la Constitution civile une raison supplémentaire de donner un signe éclatant de résistance. Dès lors, il existe 2 églises catholiques en France. Celle qui est fidèle à la Révolution et notamment à la Constitution civile du clergé et dont l'abbé Grégoire est la figure de proue.
cet ancien curé lorrain, passionné pour l'idée d'universalité des hommes, où il voit le trait d'union entre le christianisme et les principes de la démocratie, est à la fois un violent adversaire de l'ancien régime et des rois et un prédicateur évangélique de la fraternité humaine. En face, l'autre église, l'église réfractaire, qui va se renforcer au fil des ans, moins de ses ressources internes que de la situation politique offerte par le cours des événements. En effet, la Révolution voit se développer surtout dans les villes, à Paris notamment, des violences anticléricales et même antireligieuses qui rendent plus qu'inconfortable la position de l'Église constitutionnelle. Et la terreur achèvera de discréditer dans le peuple des fidèles la tentation de jeter un pont entre le christianisme et la Révolution. Ni la législative, ni la Convention ne dessineront un peu fermement le projet de fonder les nouveaux principes sur une autre foi religieuse que celle de l'Église catholique, si on met à part la fête de l'être suprême, tentative qui tombera dans la condamnation portée sur Robespierre et la Terreur, le 9 Thermidor. En réalité, la politique de la Révolution, à partir de l'automne 1791 et de l'Assemblée législative, tient avant tout dans la persécution des prêtres réfractaires. Une série de décrets entre novembre 1791 et mai 1792 menace ceux-ci d'arrestation et de déportation. La guerre qui intervient en avril 1792 aggrave l'obsession du soupçon qui caractérise l'activisme révolutionnaire. Le 10 août 1792, jour de la prise des Tuileries et de la chute de la monarchie, inaugure un premier cycle de la terreur à Paris. Terreur populaire, indépendante des autorités même insurrectionnelles, comme la Commune de Paris, est particulièrement sauvage. Entre le 2 et le 5 septembre 1792, après de mauvaises nouvelles de la frontière du Nord-Est, une foule de militants sectionnaires s'ouvre le chemin des prisons parisiennes pour y commettre de véritables massacres. L'Église réfractaire paie le prix fort de cette tuerie, notamment à la prison des Carmes, rue de Vaugirard, où plus de 100 prêtres sont massacrés. Le spectre du lugubre événement n'a pas disparu de la mémoire catholique. La Révolution continue sa marche en avant, proclame la République le 22 septembre, exécute Louis XVI le 21 janvier 1793. La radicalisation politique parisienne approfondit la guerre civile naissante sur le territoire national. Celle-ci va culminer en Vendée, où la révolte militaire contre la Convention commence en mars. Pour la comprendre, il faut entrer dans l'Ouest profond qui tourne le dos à Paris. La guerre de Vendée, de mars à décembre 1793, est le plus long, le plus ravageur, le plus tragique épisode de la guerre civile française, dont la constitution civile du clergé a donné le signal. Elle est aussi le conflit le plus symbolique, puisqu'elle met aux prises en rase campagne la Révolution et l'Ancien Régime, la démocratie révolutionnaire et la tradition catholique. Le pays vendéen n'a pas été hostile à 1789, mais depuis 1790, il s'accroche à son Église et à ses prêtres. Sa fidélité catholique est d'autant plus forte que la conquête protestante est venue battre jusqu'à ses abords et que la contre-réforme catholique y a été plus militante. Grignon de Montfort, au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle, a quadrillé l'Ouest français de missions, de retraites et de plantations de calvaires. Il a installé son camp de base en plein cœur du Bocage, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, petit bourg au sud de Cholet, couvert d'églises et de couvents, qui sera aussi au cœur de l'insurrection.
Sa prédication s'est faite dans tout l'Ouest, de la Bretagne à l'Aunis. Elle ne suffit donc pas à expliquer le soulèvement vendéen de 1793, qui a lieu dans un quadrilatère de 100 km de côté, au sud d'une ligne Saumur-Nantes et dont Cholet forme le centre. Mais elle préfigure au moins la nature de l'insurrection, à la fois paysanne et cléricale, qui n'arrivera jamais à tenir longtemps les villes où domine un autre XVIIIe siècle, celui des Lumières et des administrations bourgeoises. La guerre de Vendée va naître du choc de ces deux mondes opaques l'un à l'autre. Elle en accentuera les traits antagonistes pour les deux siècles qui viennent. Les signes avant-coureurs du soulèvement n'ont pas manqué, depuis 1791, autour de l'opposition des populations rurales aux nouvelles administrations, notamment dans les villes, et sur la question religieuse. Mais c'est la levée de 300 000 hommes décidée par la Convention en février 1793 qui met le feu aux poudres. Au début de mars, les envoyés de l'administration révolutionnaire qui arrivent dans les villages des Mauges et du Bocage pour recruter des conscrits sont violemment pris à partie. La vieille hostilité des campagnes à l'État central a survécu à 1789 et elle se trouve étendue, aiguisée par les atteintes portées à la religion. La Convention, par un décret du 24 février 1793, a décidé la levée de 300 000 hommes pour préserver nos frontières. Voici la liste des volontaires. Barlon, Baudrillon, Brislin, Chavagne. Les paysans se sont soulevés les premiers avec des armes de fortune. Ils se donnent des chefs, quelquefois pris dans leur rang, comme le voiturier Catelino, le garde-chasse Toffley, le plus souvent des nobles restés au pays, comme le jeune Laroche-Jacquelin, Charette, Lescure, Delbé. Aux pieds, pimbas en main, où donc vas-tu, si bon matin, où donc vas-tu, mon Corentin? Tous nos gars ont pris rendez-vous, tio, tio, pour aller à la chasse au loup, tio, 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 tio. Pourquoi donc n'as-tu pas aux pieds tes lourds sabots de châtaignier, mais tes fins et légers souliers? Nous aurons à forcer les loups, tio, tio, chaussés de bons souliers à clous, tio, 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 tio. Mais pourquoi donc as-tu cousu sur ton cœur le cœur de Jésus, mis ton chapelet par-dessus? C'est qu'avant de tracer les loups, tio, tio, il fait bon se mettre à genoux, tio, 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 tio. Souperez donc vous dans les bois, qu'à ta boutonnière je vois ta vieille cuillère de bois. Après avoir chassé les loups, tio, tio, nous mangerons la soupe au chou, tio, 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 tio. Mais quoi vas-tu chasser ainsi avec ce couteau que voici, sans emporter ton vieux fusil? Ne sais-tu donc plus que chez nous, tio, tio, c'est au couteau qu'on sert les loups, tio, 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 tio. Adieu donc mon beau Corentin, va t'embusquer dans un ravin, au fond du hallier vendéen. Quand la nuit hurleront les loups, tio, tio, faites
ta prière et pense à nous. Yot, 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 gagnent un peu par hasard, dès le 19 mars, une première bataille à Pontcharrau, à partir de quoi l'insurrection se rend maîtresse du plat pays entre la côte atlantique et le département des Deux-Sèvres. Étranges armées en vérité que ces cohues de quelques dizaines de milliers d'hommes, paysans, tisserands, petits notables de campagne, rassemblés au son du tocsin du village, encadrés par leurs prêtres et peu enclins, une fois la bataille passée, à trop s'éloigner de chez eux où la récolte attend. Delbé arrache à la mort les prisonniers républicains de Chemillé en invoquant pour apaiser ses soldats les paroles du pater « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Leurs chefs ne s'entendent pas trop bien. Mais en face d'eux, la Convention ne parvient à réunir aussi que des troupes d'occasion, commandées par des démagogues parisiens. Jusqu'à la fin de l'été 1793, les armées vendéennes vont rester maîtresses de leur quadrilatère. Mais en dehors de Cholet, qui n'est à cette époque qu'un gros bourg situé en plein centre de leur territoire, elles échouent à prendre les villes de la périphérie. L'armée catholique et royale, selon les termes du temps, la plus importante de l'insurrection, est repoussée aux portes de Nantes, la riche métropole bourgeoise de l'Ouest, d'où elle voulait tendre la main aux émigrés et aux Anglais. Enfermés dans leurs bastions, les paysans commencent à reculer à l'automne, avec l'arrivée contre eux d'une armée rescapée du siège de Mayence, que la Convention a affecté là avec ses généraux, Kléber et Marceau. S'engage alors la bataille de Cholet. Thank you.
Weber se préoccupe de la menace que fait peser sur sa retraite par le pont de Cholet l'attaque de la Roche-Jacquelin. Il lance donc dans le flanc droit de la Roche-Jacquelin une contre-attaque d'un bataillon du 109e de ligne. L'effort principal le portait sur Marceau. C'est alors que Marceau, utilisant un stratagème, dévoile son artillerie. Cholet est repris en octobre, les Vendéens repoussés au nord, vers la Loire. Alors commence l'équipée vers le nord, qu'on appelle la virée de Galerne. Tournant de la guerre, et pour les insurgés, le commencement de la fin. L'idée du nouveau généralissime, en l'absence de ses pairs, dont beaucoup ont été tués, est de faire la jonction à Granville avec les bateaux anglais qui patrouillent le long des côtes. De là, cette vaine expédition d'une interminable colonne étirés sur plusieurs kilomètres, mêlant petit peuple et beau monde, 80 000 personnes protégées par 30 à 40 000 soldats paysans, échouant finalement devant les hauts murs de Granville. Il faut revenir par les froids de l'automne et par la route de l'Allée, dont les villes déjà sont pillées. Repoussés devant Angers, les Vendéens refluent vers l'ouest et sont décimés au Mans le 13 décembre.
les rescapés seront taillés en pièces à Savenay juste avant Noël. C'est alors que le général Thurot est affecté en Vendée pour y mettre à exécution le terrible décret voté le 1er août précédent par la Convention, ordonnant tout simplement de détruire la Vendée. Avant lui, le proconsul Carrier, représentant du peuple, a donné l'exemple de la répression à Nantes, substituant à la guillotine trop lente les noyades dans la Loire et les exécutions sommaires. Mais le pire n'est pas encore arrivé. À partir de février 1794 et jusqu'en mai, donc après la bataille, les colonnes infernales de Thurot vont faire, dans ce genre lugubre, beaucoup mieux. Elles se répartissent le territoire maudit pour le parcourir et y effacer la nature et les hommes. Délire de destruction qui ravage maisons et récoltes et qui fait des dizaines de milliers de morts sauvagement massacrés. Le souvenir n'en est pas effacé. Un député, Fayot, déclarait à la tribune de l'Assemblée « On n'a point assez incendié dans la Vendée. La première mesure à prendre est d'y envoyer une armée incendiaire. Il faut que pendant un an, nul homme, nul animal ne trouve sa subsistance sur ce sol. » Thurot exposa son programme d'action dans un ordre du jour en date du 19 janvier 1794. Tous les brigands qui seront trouvés les armes à la main seront passés au fil de la baïonnette. On agira de même avec les filles, les femmes et les enfants qui seront dans ce cas. Les personnes seulement suspectes ne seront pas plus épargnées. De la Vendée, vertueux braves paysans, que la République enragée appelle du nom de tyran. Appelle du nom de tyran pour venger la foi qu'on outrage, le roi, la reine et leurs enfants. Vous vous battez depuis longtemps sans moyen que votre courage. Redoublez vos efforts, vous vous battez pour Dieu. Frappez, frappez, le monde entier fixe sur vous les yeux.
Les brigands, les brigands! Aux armes! Les brigands, sauf qui peut! Les deux derniers chefs vendéens, à chaque bord du quadrilatère, Stofflet et Charette, continuent à tenir la campagne. Ils obtiennent une trêve provisoire de la Convention thermidorienne en 1795 par le traité de la Jaunais, mais reprennent bientôt les armes avec le débarquement des émigrés à Quiberon. Bientôt, il ne reste plus aux émigrés qu'un seul espoir, rejoindre la flotte anglaise à bord des chaloupes que Lord Warren, prévenu de la situation, ne va pas manquer de leur envoyer. Mais les heures passent et aucun canot ne s'approche du rivage. Hoche dispose maintenant d'une douzaine de milliers d'hommes et, après avoir refoulé les derniers éléments royalistes sur la presqu'île, il en tient solidement le verrou dans la région de Carnac. Bientôt, une foule d'éléments disparates, émigrés, chouans, femmes, enfants, se trouve, selon l'expression de Hoche lui-même, ainsi que des rats enfermés dans Quiberon. C'est alors qu'estimant toute prolongation de la lutte inutile, Sombreuil accepta la capitulation que lui offrait Hoche. Les prisonniers, au nombre de 4000 environ, furent dirigés sur Vannes et Auray. Là, les vainqueurs libérèrent les chouans et les soldats enrôlés par les insurgés. Restait à régler le sort des quelques 750 émigrés. Hoche leur avait promis la vie sauve lors de la capitulation. Italien s'était engagé à intervenir en leur faveur. Mais ce dernier se fit l'impitoyable accusateur de ceux qu'il avait promis de défendre. Pendant plusieurs semaines, les commissions siégeant à Auray et à Vannes prononcèrent la condamnation à mort des prisonniers. Vaincue, la Vendée abandonne les armes. Mais elle est désormais murée dans la détestation de la Révolution. Exsangue, elle redemande encore ses prêtres et son Église. La dite Révolution a fermé le théâtre de la Terreur, mais elle n'a pas renoncé à fonder son œuvre par la bataille contre l'Église d'Ancien Régime. Au contraire, le Directoire tient la main à la persécution des prêtres réfractaires et affecte les églises à des cultes substitutifs. Après le coup d'État républicain du 18 Fructidor 1797, les prêtres réfractaires paieront encore le prix fort d'une brève reprise de la Terreur. Dans ce domaine, comme en tant d'autres, c'est Bonaparte, premier consul, qui ramènera la paix religieuse par le compromis du Concordat signé avec le pape en 1801. Rome accepte la vente des biens d'église et la nomination des évêques par Bonaparte. Le premier consul reconnaît le catholicisme comme la religion de la majorité des Français et entretient la nouvelle église, dont les évêques seront institués par Rome. Triomphe de la tradition gallicane au prix de l'abandon de l'Église constitutionnelle. Assez pour ramener l'ordre et le calme, non pour faire oublier la tragédie. Celle-ci sera remémorée tout au long du XIXe siècle et d'une partie du XXe siècle.
le conflit qui s'est ouvert en 1791 dans la Révolution à propos de la religion est probablement le plus profond de ce qui s'est noué à cette époque dans la politique française. Car la société aristocratique ou la vieille monarchie seront plus vite oubliées que l'affrontement de la démocratie révolutionnaire et de l'Église catholique.